Dans les rues d'Aurillac, faire son programme, c'est écouter les conseils des uns et des autres, c'est parcourir la ville en observant les lieux de spectacle. La compagnie Art to Show a investi un camion pour inviter 11 convives, voire 12 dans un festival. Hervé Germain, son truc à lui, c'est justement de nous raconter des histoires et de nous embarquer à bord de ce camion décor. Oui, parce que c'est 11, hein, 11 pas plus. Ouais, parce que c'est la réglementation. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça aujourd'hui. On rigole pas avec la surcharge. Ben ouais, chacun son truc. Hein. Ça, c'était quand j'étais... Ouais, comme ça. Je vous montrerai. C'est beau, hein? Magnifique. Ah ouais. Hey, c'est lui qui l'a fait, hein. Tout à la main. Enfin, deux têtes, hein. Jamais de plan. Hein. Un bricoleur hors pair, mon père. Ouais. Et c'est le même que le sien. Mais en plus petit. Ah ouais, parce que le sien... Ah, il était... Et c'est lui qui le... Ouais, il était là. Pierre-Marie et moi, club. Tout simplement, il y avait deux envies. Il y avait très clairement l'envie d'aller vers quelque chose d'intime. Nous, on a, dans l'histoire de la compagnie, beaucoup joué le masque. Et avec le masque, on joue dans les yeux du public. On ne peut pas mentir. Et là, du coup, j'avais envie de ça, d'être encore plus proche. Donc de la proximité, de l'intimité. Donc du coup, l'intimité, c'est entrer chez quelqu'un. Et puis, on avait ce camion à la compagnie, ce 20 mètres cubes, qui nous permettait justement de pouvoir accueillir un petit peu de spectateurs. Et en théâtre de rue, il y a une forme qu'on appelle l'entresort qui m'intéressait. Mais souvent, c'est assez court. On vient chercher une petite frayeur, on vient chercher un éclat de rire et on ressort. J'entre et je ressors, petite jauge. Donc là, la forme, c'est 11 personnes, 11 curieux, parce que quelque part aussi, ça me ressemble. Moi, j'avoue que j'aime bien regarder par la fenêtre le soir pour voir chez les gens, juste pour voir un peu comment ils vivent, quoi, pour les connaître un petit peu plus. Et finalement, je me dis, tiens, je vais concevoir et construire cette histoire comme on construit une cabane. Et je me suis dit, tiens, bah, ça va être une cabane à curieux, comme on se rapproche finalement d'un autre mot, une autre expression, qui est le cabinet de curiosité. Qui est finalement avec des objets, parce que c'est aussi quelque part un théâtre d'objets, même si ce n'est pas jouer avec les objets, les faire parler, mais plus être sur la mémoire collective qu'on peut mettre derrière un objet. Ce qui fait que finalement, dans ce petit espace, c'est comme s'il y avait des bouts de vie. Il reste des choses de ce qu'il a été, de ses parents, et puis finalement, en allant chez lui, en parlant de lui, c'était une manière plutôt de parler des autres. Parce que finalement, c'est ça, c'est que si on ne parle que de soi, les autres ne nous intéressent pas. Et là, c'était faire en sorte que peut-être qu'il y ait une vraie rencontre. Donc d'aller chercher le temps de l'écoute, le temps de la rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a un premier temps aussi, où finalement, dans cette première zone du camion, qui est ce petit salon, cosy, sur nos petites chaises, eh bien, c'est un petit peu le salon de thé. Donc je commence par quelque chose justement de partage. Et pour moi, c'était important de boire un petit café, de manger un petit bout de gâteau, un petit chocolat, pour qu'il y ait aussi de la connivence, de la complicité entre les gens. Il y en a certains, puisqu'il n'y a qu'un petit bout de gâteau, ben on peut le partager. Celui qui mange pour lui, puis des fois, claque. Là, aujourd'hui, par exemple, la tasse a circulé plusieurs fois. Le chocolat s'est cassé en 4 morceaux. Voilà, donc ça m'intéressait. Allez, c'est parti. Hop là. Je suis là. Regardez, vous pouvez attraper là derrière, là, dans l'armoire, là, derrière vous. Je fais un petit peu serré, hein, comme nous. Hein. Voilà, prenez la petite tasse, la soucoupe, enfin bon, le service complet, quoi. Et puis, dites là, Camille. Oui. Ok, mes petits cœurs, vous pouvez attraper le guéridon qui est à côté de vous. Mais par le pied, parce que j'aime bien réparer, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et puis, vous posez au milieu, là, sur le tapis, dans le salon. Voilà. Allez, alors, Pascal, hein, tu veux boire la tasse? Allez, c'est parti. À moi quelques autres, hein, puis après, un petit café, ça le partage, hein, de toute façon. vite fait, hein. Puis, il est à la turque, il est un peu... ouais, bon, vous me direz. Hop là. Bon, un petit sucre.
Moi, pas de sucre. Mais ah, ah bon peu, allez-y. Oh ouais, parce que c'est dommage, parce que moi, j'adore. Zig zig, zig zig. Non, je vais pas le mettre, hein, il faut pas. Zig zig. Oh, j'entends encore la voix de ma grand-mère. Arrête de jouer avec la passe à sucre. Là, par exemple, en sortant tout à l'heure, en discutant donc avec des spectatrices, il y a un mot qui a été utilisé, que je trouve ça assez juste, qui est souvent d'ailleurs utilisé, qui est « on était dans une bulle ». Finalement, ceux qui rentrent dans le camion savent qu'ils sont finalement dehors quand même, ils sont dans la rue, le camion il est dans la rue, on en croise des camions et des gens qui vivent aussi dans leur camion, dans leur voiture, parce que ça raconte des choses aussi, ceux qui vivent dans leur caravane. Je voulais pas que ce soit un laissé pour compte. On sait rien finalement de lui, de cet homme, pourquoi il est seul, où est-ce qu'il en est dans sa vie actuellement, etc. Mais on peut imaginer des choses, donc on y colle aussi ce qu'on veut. Donc après, c'était pour moi une manière de poser le camion là où on veut, sur une place de village, là dans le cadre d'un festival, là où il y a le tumulte finalement, où il y a la musique, il y a les grosses formes, où il y a 500 personnes en plein cagnard. J'avais envie de ça, de quelque chose où finalement, les gens vont s'inscrire, ils mettent leur prénom, après ils viennent s'installer, puis ils attendent, gentiment, et puis moi j'arrive, et puis je leur demande d'entrer, et puis quand on ferme la porte, on sait qu'on fait partie du grand, tout, et en même temps, on n'est qu'à 11, enfin 12 avec moi, parfois 13, parce que bon, des fois, je pousse un tout petit peu. Et puis, pendant 20 minutes, on est à la fois très simplement chez quelqu'un, mais on est ailleurs. La mer Caspienne. Puis, l'arrière, arrière, arrière. Grand-mère, elle quitte l'Ukraine. Par la mer. La mer d'Azov. Oui, c'est une petite mer. Mais de nuit, franchi la mer Noire, l'arrière-grand-mère, elle, eh bien elle embarque sur la mer de Marmara, dans mon lit, à la fenêtre, et puis je l'ai regardé passer, puis je comptais les wagons, un wagon, tatatatoum, deux wagons, tatatatoum, trois wagons, tatatatoum. Alors ça c'est cadeau de mes mères, ouais. Et elle disait toujours, dehors c'est la jungle, alors retourne être le plus fort. Puis depuis je continue, je compte.